On est parti du port. J'ai pas filmé le départ parce que je voulais partir vite, pas trop perdre de temps. Parce qu'aujourd'hui on a plus de 70 000. J'ai réussi à trouver la destination. Alors je me rappelle pas très bien, donc je vais vous montrer après sur la carte. Et en gros c'est une petite île après Mykonos. On va mouiller pas loin d'un endroit où il y a des vestiges antiques. 70 000 donc, moins 10 heures de navigation minimum. Il est 9 heures, il y a eu des discussions sur le quai qui ont un petit peu traîné. On va arriver un peu tard, je pense, on verra. Donc là on est ici à Patmos, où il y avait le château là. Là on va sortir comme ça, tac, on va faire un peu de près pour remonter au nord de l'île. Et après la route, ce sera tout ça, plein ouest, donc avec du vent de nord, donc on sera travers normalement. Et nous on va aller, donc là c'est Mykonos, et on va aller ici. Et ici en fait... on va mouiller probablement là, et demain on ira mouiller ici, parce que là, c'est là qu'il y a les vestiges antiques. Par contre, on n'a pas le droit de mouiller sur cette île la nuit, donc le soir on reviendra au mouillage sur l'autre île. 70 000 de navigation, ça fait plaisir. Je voulais voir un petit peu si j'aimais bien les petites navigations, les grosses navigations. Et en fait, les grosses navigations de nuit, sur plusieurs jours, me manquent un peu. Donc j'en aurais pas fait ce coup-ci, mais c'était le test pour voir si ça me manquait et si j'en avais besoin. Et du coup, si c'était vraiment une envie de faire cette transatlantique avec au moins une vingtaine de jours en mer tout seul. Et je pense que oui, je pense que c'est une envie. Du coup, on a pris trois riz et on a roulé le génois en prévision du vent fort à venir. Là, dans la baie, on est déjà à 20 nœuds de vent. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu génois et grand voile entièrement envoyé. Normalement, il y a plus de vent à arriver. Mais il faut quand même essayer d'avancer et d'être le mieux toilé possible. Parce que 70 000 c'est long. Et 70 000 à 7 nœuds ou 70 000 à 5 nœuds, ça fait pas le même nombre d'heures à la fin. Et vu que j'ai pas envie d'arriver trop tard, je sens qu'on va beaucoup manœuvrer aujourd'hui pour avoir toujours la voile adaptée. Actuellement, il y a 13 nœuds de vent, on marche à 4 nœuds 8. C'est pas très rapide, mais y a pas mal de houle, bien court, et comme vous le voyez, ça arrête pas de taper quoi. Donc à chaque fois qu'on tape, on perd de la vitesse. Avec une mer plate, on serait à 5-6 nœuds et là on est à peine à 5 nœuds quoi.
C'est comme ça. On a fait 50 000, il reste une bonne vingtaine de milles. Les conditions météo sont assez pénibles, ça change du tout au tout. On a 20 nœuds de vent et puis une demi-heure après, il n'y a plus que 5 nœuds de vent. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est toujours sur le même bord, donc c'est route directe. C'est juste que ça fait pas mal de manœuvres. Moyenne de vitesse du bateau, on doit être à 6 nœuds à peu près. Voilà, on est à 7 nœuds 8 en l'occurrence. Et ça, c'est quand il y a 20 nœuds de vent. Et puis après, quand il y a 5 nœuds de vent, on n'avance plus parce que la mer est formée. On devrait arriver dans 3 heures. Pour le début de soirée, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde au mouillage pour pouvoir avoir une bonne petite place à l'abri. Là, actuellement, on est toute voile dehors, donc ça file pas mal. Et là, l'île qu'on aperçoit là-bas, bah c'est derrière qu'on va.
Je viens d'arriver, il est 20h30 passé. J'ai fait les calculs, on a fait 74 000 à une moyenne de 6,3 nœuds de quai à mouillage. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content, c'était assez vite. Je suis quand même bien fatigué parce que c'était la plupart du temps au pré encore, donc c'est bien fatigant. Donc il me reste 2-3 trucs à faire. Et puis demain, du coup, on lève l'ancre, on va mouiller tout près de l'autre île. Et on fait la petite visite des monuments antiques. Si on se fait pas gicler du mouillage, parce que j'ai eu différents sons de cloche. Et certains m'ont dit que c'était illégal de mouiller là-bas. Et d'autres m'ont dit que c'était que la nuit où c'était pas possible. Donc on verra. On vient de quitter le mouillage et du coup on va au moteur sur la petite île voir les monuments antiques. On n'est plus trop loin, arrivé devant on gonflera l'annexe, on ira à terre avec l'annexe et on essaiera de rejoindre l'entrée. On est mouillé dans la baie, l'annexe est prête, on va rejoindre la terre ferme. Par contre, j'espère juste qu'on va pouvoir rejoindre le site, et notamment l'entrée, qu'on va pas se retrouver barricadé. Parce qu'il n'y a pas de sentier, il n'y a rien. Donc c'est traverser à travers les collines et essayer de trouver l'entrée. Première étape, rejoindre la plage. C'est bon, maintenant il n'y a plus qu'à se frayer un chemin. Peut-être que ces terres sont maudites. Parce que là, il y a une chèvre qui s'est fait bouffer. Il y a des ossements par terre. Peut-être qu'il y a une bête maudite qui traîne dans les parages. Ça me plaît pas trop, cette histoire. À rentrer dans le parc. Ils étaient pas très contents que j'arrive par les barrières, parce qu'il n'y a qu'une seule entrée. Mais c'est bon, je suis quand même accepté et tout va bien. Délos est une île minuscule de 3,5 km². Aride et depuis longtemps inhabitée, elle se situe à l'ouest de Mykonos. Ses pentes sont douces et le mont Sainte ne dépasse pas 113 mètres. L'abri portuaire a toujours été exposé au vent, rendant l'île inaccessible à l'époque où seuls les bateaux à voile naviguaient. Dans la partie basse se trouvait jadis un lac sacré d'eau douce, aujourd'hui à sec. L'île a joué un rôle considérable en Grèce antique, tant sur le plan commercial que religieux et politique. Son rayonnement a connu son apogée au VIe siècle avant Jésus-Christ.
L'île avait alors de l'eau potable. Je laisserai au plus féru d'histoire le soin d'aller se documenter sur ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990. L'innombrable quantité d'informations sur cette cité m'a rendu impossible la tâche d'en prioriser. Que ce soit en architecture, en sculpture, en peinture, en mosaïque, en carrelage, en mobilier ou en numismatique, il y aurait tant de choses à dire. Pour information, le numismatique, c'est la science qui traite de la description et de l'histoire des monnaies, médailles, jetons et méraux. Je suis navré de décevoir ceux qui en attendaient plus, et j'en suis le premier déçu. Je terminerai juste par vous dire que le théâtre pouvait accueillir 6500 personnes. Ce qui permet de mieux se rendre compte de l'importance du lieu. Je suis bien arrivé en haut du sommet. Et là, qu'est-ce que je découvre ? Il y a un énorme bateau qui s'est mis juste à côté du mien. Et comme par hasard, il y a dans toute la baie, il se met à 10 mètres de mon bateau. Incompréhensible. Je crois que le bateau m'a entendu, hein. Il est parti. Me faire réprimander encore. On n'a pas le droit de voler en drone ici. Donc je me suis fait réprimander parce que je suis pas arrivé par là où il fallait. Je me suis fait réprimander parce que j'ai mouillé où il fallait pas. Je me suis fait avertir comme quoi si je filmais c'était seulement pour le privé et pas pour une raison commerciale, ce qui n'est pas le cas vu que je ne monétise pas la chaîne. Là je viens de me faire réprimander pour le drone. Je crois qu'on va arrêter, qu'on va se la jouer plus calme et qu'on va rentrer dans le droit chemin, hein, parce que sinon je vais me faire virer. C'est fini pour la visite. On retourne au bateau. Et le bateau là, vous le reconnaissez? C'est celui qui était juste à côté de moi tout à l'heure. Et là il s'en va. J'espère qu'il retourne à Mykonos et qu'il va pas m'embêter au mouillage. Et puis
puis ça va, j'ai pas fait d'autres bêtises. J'ai pas eu une dernière réprimande. Mais bon, je suis pas encore sur le bateau. Hein. Bon, et pas qu'il m'ait crevé l'annexe. En fait, j'ai demandé. Et au petit port ici, on a le droit de s'y mettre en particulier. C'est pas que pour les passagers et les gros bateaux. Donc la prochaine fois, même si c'est pas avant très longtemps, même s'il y aura peut-être pas de prochaine fois, bah, je le saurai. En tout cas, bah, vous le savez. J'arrive sur la baie. Et là, quelle surprise! Qu'est-ce qui se passe? À votre avis, il y a un autre bateau et il s'est mis juste à côté.